Bienvenue à Surround City. Je suis le maire de la ville. Vous êtes là depuis longtemps? C'est-à-dire que oui, j'ai eu le temps de visiter. Je suis le loup 5.1. Je m'appelle les femmes. Dwight. Pour vous servir? Oui. J'ai la main qui colle, je me suis mis du gel ce matin. Écoutez, monsieur le maire, il faut faire vite. A priori, les maîtres du temps en ont après Surround City et ses habitants. Je sais pas, est-ce que vous avez un jeu que vous n'auriez pas fini étant jeune? Jeu vidéo? Oh putain. Regardez, ils arrivent progressivement. Ne serait-il pas judicieux de prévenir mes concitoyens en tant que maire? Bah, c'est une hypothèse, oui, à envisager. Il y a bien cette fausse aventure. J'y ai joué quand j'étais étudiant. C'est un jeu que j'ai jamais terminé. Jamais. Et... c'est dommage. J'avais pas de manette. Vous n'avez pas un jeu moins long? Parce que ça urge, là. Je connais assez mal la série des Star Fox, mais ce que je sais, c'est que ça a le mérite d'envoyer du pâté, généralement. Même si les premières aventures mettent un peu la rétine à dure épreuve, du combat dans l'espace avec des explosions et des obstacles à éviter, on est preneur. Au début du jeu, on interprète Crystal, ce qui nous donne un aperçu de l'histoire. Les dinosaures de différentes planètes sont sous le joug d'un gros méchant comme d'habitude, et il faut réunir des conneries pour contrer les plans diaboliques de ce mec-là. Rien de bien neuf. Très vite, on va devoir se farcir une petite forteresse et rencontrer ces machins en forme de méduses qui me font penser étrangement aux bestioles de l'espace de Atomic Circus. Ça fout une angoisse, ces merdes. La prise en main est agréable et surtout le jeu est extrêmement beau, alors que ça commence à dater, la GameCube. Ah, on peut causer au Triceratops malade façon Jurassic Park? Vu comment ils me regardaient, les mecs, je pensais qu'ils voulaient me bouffer. Cela fait déjà à peu près 35 minutes que je joue et que je résous des énigmes ou que je bute ces créatures et j'ai pas encore vu l'ombre d'une touffe de poils de Fox McCloud. Je me douterais que le jeu prendrait son temps, sauf que là, bah, je dois faire vite. Et le voilà enfin, Fox et son Fur Shading. Première fois que des développeurs de jeux vidéo utilisaient cette technique qui rend plutôt pas mal, soyons honnêtes. C'est une technique 3D qui n'utilise pas de polygones mais de la texture et qui en plus ne prend pas des masses de ressources. Et le général Pepper nous envoie donc sur Dinosaur Planet pour voir ce qui s'y trame. Il y a beaucoup de parlotte pour pas grand chose quand même dans le jeu, hein, j'ai l'impression. Et là, désormais, c'est le kiff total avec ce voyage en vaisseau. C'est ça qu'on attendait, du bon Star Fox, en plus beau que ce qu'on a pu connaître avant. Enfin là, ça pète de partout, je ramasse des trucs, bref, je m'en fous, c'est beau, et je m'éclate, c'est déjà fini. Et c'est bien là qu'on commence à se rendre compte qu'effectivement, on est sur de l'aventure et non du shoot. C'est un Zelda-like. Explorer les lieux, parler aux habitants qui n'ont pas l'air d'être très très commodes, hein, faut pas se mentir. Récolter des scarabées car c'est la monnaie de là-bas. Et on ne les a pas en travaillant, mais en soulevant des pierres. J'en trouve pas assez des scarabées, monsieur le président. Je traverse la rue, je vous en trouve. Pour se téléporter où on souhaite plus facilement, on fera au bout d'un moment la rencontre avec le géant de pierre. Chacune de ses mains propose un chemin différent, et sous lui, c'est un labyrinthe. Je suspecte quand même que ce soit sa cuvette. Si c'est pour me prendre de la caillasse qui sent le cul de la Castaldi's Family, c'est franchement pas obligé. On rentre chez soi, on prend un bain, on se brosse les dents, et on tire sa femme. Je continuerai demain, ça fatigue vite de tourner en rond. Ils m'ont parlé des maîtres du temps, et ce qui est arbitre, c'est qu'il y a un bruit sourd au loin qui se rapproche de plus en plus. C'est pas un truc qu'ils t'ont dit pour te faire flipper? Vieux, j'ai vu une fille se faire happer par un ver géant. Vache, c'est dangereux ton truc. T'es sûr de vouloir y retourner? Je vais pas les laisser dans la mer quand même. Et puis pour les sauver, y a qu'à finir des jeux vidéo, ça me paraît être dans mes cordes. Je suis pas tombé sur cette ville fantôme par hasard. Rappelle-moi ce soir quand tu rentres, j'aurai peut-être du nouveau. Pour mieux se repérer ou se défendre dans Star Fox Adventure, il y a ce marchand qui vit dans un putain de labyrinthe. On s'y paume là-dedans! Un magasin comme ça, ça peut absolument pas être rentable. Bienvenue chez Ikea. Ah oui, c'est vrai. Et désolé, mais il me fait penser aux méchants, ce mec-là. Je le sens vraiment pas avec sa petite voix aigrelette et son rire d'arnaqueur. Et en même temps, tous les personnages du jeu qui sont censés être sympas avec nous ont des tronches de gars qui ont envie de t'arracher les couilles avec les dents parce que ta tronche leur revient pas. C'est assez déconcertant, t'as l'impression d'être en plein Paris où t'as que des gens qui tirent la tronche. Oui, je sais, mais j'aime pas Paris.
Harry. Je dois trouver le gosse de cette maman tricératops qui est au plus mal a priori. Quelque chose me dit qu'on va scoltiner un second personnage en mode Ashley dans RE4 et qui va nous casser l'ambiance à foison. Et un petit monde enneigé. Oh bah tiens, ça fait trop plaisir, ceci est ironique. Je sais pas comment passer avec ces connards qui me visent de loin. Bah oui, parce qu'il y a une connerie à planter là mais que je les ai toutes utilisées. Du coup, faut que je retourne de l'autre côté pour aller en récupérer. Ouh, les allers-retours, quelle perte de temps, et c'est très dommage. Si j'upgrade au fur et à mesure mon bâton, celui dans le jeu, hein, je fais pas de chirurgie pénienne, il n'a pas de mode téléportation intégré. Alors faut que je vise cette plantasse. Qu'est-ce que c'est que ce système de visée merdique et inversé? En 2002, ils avaient pas mieux, sans déconner. C'est une tannée. Une fois ces sports récoltés... Vive le sport sur Antenne 2. Je peux en planter ici et défoncer la fente. Enfin, je veux dire, ouvrir un trou. Oh, et merde, hein. On découvre un puits dans lequel on peut balancer 20 scarabées pour avoir un jeton code. Et alors ça, c'est un peu la cassure du quatrième mur du jeu. Les jetons code permettent de débloquer des features. En en récoltant à foison, on aura donc accès au crédit chez le marchand, un sound test et différents messages. Bref, on s'en fout, on veut le gosse. Après avoir écharpé 2-3 connards, il va me falloir utiliser mon bâton pour ouvrir une tanière. Ceci n'est pas une métaphore. J'ai trop traîné devant la téloche étant gamin. Bref, il est l'heure d'une phase en snowboard. Vous ne m'échapperez pas, bande de kidnappeurs. C'est plutôt maniable et agréable également, donc il y a de très bonnes choses dans le jeu. On sent la sensation de vitesse nous envahir, c'est du bon. Par contre, c'est moi ou c'est long cette descente? Parce que c'est bien de courir après des bandits, mais bon... Voilà. Perdu? Quoi? Mais je croyais qu'il fallait les suivre, moi! C'est une course! Eh oui, c'est une course, et c'est bien là le problème. Entre zigzag mal géré et les mecs qui sont quand même bien plus professionnels que moi niveau sport alpin, bah c'est la merde. Si j'arrive facilement à en dépasser un, le deuxième il trace. J'ai recommencé 4 fois avant de réussir la course, car oui, il faut arriver avant eux! Je sais pas, on pourrait leur bourrer la gueule une fois arrivé, ça me paraissait logique, enfin bon. Et nous délivrons le petit tricératops qui parle comme un putain d'adolescent bien saoulant. Et heureusement, dans ce jeu, on peut sauvegarder où l'on veut, mais... Ça risque d'être complexe quand même, cette affaire. Monsieur le maire, j'ai commencé le jeu, mais j'ai été retardé par la section en jet ski. J'ai pas compris tout de suite que c'était une course où il fallait arriver premier. Écoutez, monsieur Leloup, oui. Je vous fais entièrement confiance sur ce sujet. Ah bon ? Je ne peux malheureusement pas vous aider parce que... Oui, effectivement, je vous le confirme, j'ai un rendez-vous. Rendez-vous ! Oh la vache, mais ça aussi, c'est déstabilisant. Walter ! Rougeombe ! Ça s'arrête jamais, vos tocs ? Hmm ? Vos troubles obsessionnels, ils s'arrêtent jamais? Mais non, c'est Walter, notre facteur. Un tantinet émotionnel. Il est fort perturbé, ce qui fait qu'il parle à l'envers quand il est fort émotif. Non, ça y est, j'en ai plein le cul. Ah putain, il me fait chier avec son courrier. Oui bon, écoutez, votre jeu est un Zelda-like. Et je voudrais en venir à bout rapidement. Alors au lieu de faire le con, aidez-moi, je sais pas, donnez-moi des indices. Il y a des dinosaures dans votre jeu. Oui, plein. Je n'aime pas les dinosaures. Oh, mon petit Walter, merci. Bonjour. C'est pour ça que je ne vous aiderai pas. C'est quoi? C'est la fin de notre monde qui approche, Walter. On se perd par moments et ça me rappelle mon expérience de fin d'adolescence sur le premier Zelda en 3D, Ocarina of Time, le je ne sais pas quoi faire time. En plus bon, ils s'en cachent même pas les mecs, le hub du jeu est identique. On a notre ami Tricky avec nous désormais et bah c'est une sorte de malédiction. On peut lui faire faire des actions comme creuser, chercher des trésors ou des sorties, mais il ne le fera pas le ventre vide. Par conséquent, faut farmer les champignons parce qu'il a tout le temps la dalle. Alors oui, dans l'idée ça paraît réaliste, hein. Dans la réalisation par contre, bah c'est austère. Passer maintes et maintes fois par le menu pour effectuer une action, ça me sort clairement de l'aventure, sans compter cette rigidité de gameplay quand il faut viser avec le bâton magique. Et le jeu s'arrange toujours pour intentionnellement nous berner la gueule. Sur le point de découvrir l'accès à une nouvelle petite zone, oui d'accord, tu peux enfin y aller petit Fox. Mais tu n'y verras rien, y a pas de lumière. Tu te souviens des petits machins qui tombent quand tu tires sur des fleurs et qui sont une tannée à ramasser parce qu'ils disparaissent rapidement? Bah t'en fous connard. Putain non, l'ambiance est pourtant excellente, à la fois comique et mystique, les graphismes sont sublimes, pourquoi avoir déféqué sur la navigation dans le jeu et dans l'inventaire? Les 2 ou 3 premières heures de l'aventure, on a vraiment l'impression d'être plongé vers une nouvelle atmosphère vidéoludique à laquelle on va adhérer à 100% pour finalement se rendre très vite compte que c'est la lassitude qui prendra le dessus. Et puis tourner partout à chercher où on va rallonge considérablement la durée de vie du jeu et augmente la sensation de pieds qui trépignent d'impatience dans le corps. Ce que j'ai préféré dans ce jeu, c'est le système jour-nuit, qui est généré de façon beaucoup plus précise que dans Ocarina of Time.
J'ai bien progressé, j'avoue, mais votre jeu est long, Dwight. Si je veux sauver tout le monde, il faut que je le termine et que je trouve le jeu qui est relié à Walter. Ben, vous oubliez le mousse. Le préposé à la chaufferie. Désolé, vous m'avez foutu les jetons. Je savais pas que quelqu'un s'occupait de la chaufferie ici. Vous ne vous avez pas parlé de moi ? C'est surtout que, vu comment on gèle dans chaque bâtiment ici, je savais pas qu'il y avait une chaufferie en état de marche. Ah, mais elle fonctionne plus depuis 1919. C'est cette incohérence perpétuelle qui commence vraiment à me déstabiliser. Un jeu vidéo non terminé, ça vous dit quelque chose ? Je n'ai jamais terminé Super Mario Bros. Sur NES. Quoi ? Mais enfin, tout le monde l'a terminé. Il n'est pas compliqué celui-ci. Avec des nageoires, c'est douloureux. Je reprends donc ma manette NES, celui-ci ne devrait pas être très compliqué. C'est le tout premier jeu que j'ai terminé à l'âge de 6 ans et demi, sans compter que je le connais par cœur. Le deuxième stage du monde 1 permet d'accéder à une warp zone, nous amenant au monde 4. Le stage de l'Akitu est extrêmement facile, il ne faut juste pas s'arrêter de courir. On arrive ainsi au second stage du monde 4 qui nous permet d'activer un haricot magique menant à une autre warp zone jusqu'au monde 6, 7 et 8. Bien sûr, on prend le monde 8. Par contre, faut se le taper entièrement, mais ce n'est pas vraiment ça qui me fait peur. Je vais simplement me dépêcher parce que pendant que je sauve l'âme d'Helmut, je n'avance pas dans Star Fox Adventure, même si j'avais sûrement besoin de cette pause pour avoir les idées claires. Écoutez, votre jeu est terminé. Normalement, vous êtes libre et en sécurité. Parfait, merci. Je vais enfin pouvoir revoir la lumière du jour. Mais sinon, à part Mario Bros que vous n'aviez jamais pu terminer, quels sont les autres jeux que vous avez testés ? Aucun. C'était mon premier et dernier jeu. En tout cas, merci. Au moins, je ne me ferai pas dévorer par les langoliers. Attendez ! Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est vous qui avez peur de langoliers, n'est-ce pas ? Étranger, je vais te faire bouffer le fion. Cette pause a fait du bien, mais malgré tout, j'ai du mal à me remettre dans Star Fox Adventure. Sûrement à cause de ce que m'a dit le mec de la chaufferie, là. C'est quoi ce délire ? Il m'a parlé des langoliers. Et si je me souviens bien, c'est une nouvelle de Stephen King qui a même été adaptée en téléfilm. 10 passagers d'un avion se retrouvent soudainement tout seuls à bord de l'appareil. Même une fois à terre, plus personne, l'ambiance y est pesante. Ils comprennent qu'ils sont passés dans une sorte de faille temporelle et les fameux langoliers sont les gardiens du temps. Une histoire qui, depuis mon adolescence, m'angoisse pas mal. Bon, allez, reprenons. Si j'admire les animations de boss, même si les combats partent un peu dans tous les sens, eh bien, je me pose quand même une question depuis un petit paquet d'heures. Quand est-ce que je joue à Star Fox, en fait ? Les phases en vaisseau entre chaque monde, ou chaque mission du moins, sont le délire qui me plaît le plus. Mais à chaque fois, ça dure à peine 2 minutes 30, pour en parallèle se taper des heures et des heures de crapahutage dans les contrées des dinosaures. Je n'ai pas envie qu'il se passe la même chose qu'avec Sophia pour le maire Dwight les femmes. Il faut que je trouve un moyen de me booster avec une solution, mais les allers-retours dans le jeu seront toujours présent malheureusement, et l'ambiance Star Fox, elle, sera toujours en filigrane. La légende des maîtres du temps est une histoire qui a circulé durant l'horreur de la Première Guerre mondiale. On dit que ces créatures mystiques avaient le pouvoir de manipuler le temps et l'espace, et de prendre n'importe quelle forme monstrueuse pour accomplir leur mission. Selon la légende, les maîtres du temps apparaissaient aux gens dans des moments de crise, d'angoisse, et leur proposaient un choix. Ils pouvaient effacer tous leurs souvenirs de l'événement traumatique qui les avait affectés, ou ils pouvaient garder leurs souvenirs et continuer à vivre avec le poids de leur expérience. Alors c'est ça. Les jeux qu'ils choisissent sont reliés à une de leurs peurs ou à un événement passé,
Et leur dernier espoir, c'est qu'on le termine afin de débloquer quelque chose en eux. On dit que les maîtres du temps peuvent prendre n'importe quelle apparence monstrueuse, de la bête sauvage au monstre marin pour accomplir leur mission. Certains disent même qu'ils peuvent prendre l'apparence de proches décédés, ou de démons terrifiants, pour effrayer les gens et les inciter à effacer leurs souvenirs. Dans quoi je me suis embarqué ? Au fil des ans, la légende des maîtres du temps est devenue de plus en plus obscure. Mais pour ceux qui ont entendu cette histoire, elle reste une légende mystique, troublante, un rappel de la puissance, du temps et de la mémoire. Je viens de comprendre pourquoi on peut ressentir face au jeu une sensation d'imposture. De base, le jeu était prévu sur Nintendo 64 et s'appelait Dinosaur's Planet. À un stade de développement déjà très avancé, une démo était disponible à l'époque et avait été présentée. On y retrouve tout ! Crystal au début de l'aventure, les planètes peuplées de dinosaures et surtout on faisait une partie de l'aventure avec Sabre, une sorte de tigre anthropomorphe qui sait bien se défendre et qui partait à l'aventure pour aider Crystal. Quand les mecs de chez Nintendo ont vu ça, ils y ont mis leur grain de sel en se disant que remplacer Sabre par Fox McCloud ferait une très bonne suite à leur licence Star Fox, mais que pour ce faire, il faudrait le sortir sur GameCube, ça aurait plus de gueule. Bah oui, il y avait déjà un Star Fox sur N64. Et puis vu que le jeu était quasi terminé, plus facile de se faire du pognon. Mec, vous me rajouterez des mini-phases en vaisseau vite fait pour contenter les branleurs qui aiment bien Star Fox, hein. Ils sont tout jouasses, et vous me mettrez autant d'images de ces niveaux-là que de l'aventure dans la bande-annonce, hein. Ce sera la dernière fois que Rare développera un jeu pour Nintendo, et c'est là que l'on comprend leur décision, car ils n'étaient pas satisfaits de la tournure que prenait le projet depuis qu'ils s'étaient ralliés aux équipes de Nintendo. Ça se ressent dans le jeu, notamment les coups portés, c'est assez rigide, même par rapport à un Zelda Ocarina of Time. Il manque le ressenti des coups, une animation, ou je ne sais quoi. Le dernier boss du jeu, eh bien, il est cool. On est en vaisseau, il a de la gueule, il y a une technique à avoir, c'est pas trop compliqué, et puis la fin, avec les petites retrouvailles entre Fox et Crystal, ont un petit côté comique. Bon ouais, on dirait quand même un mauvais porno pour Fury tout le long du jeu, mais côté comique qui n'est pas pour me déplaire. Ceci dit, ça ne sera pas suffisant pour intégrer ce jeu à mon cœur. And that's to say thank you. Well, okay. I mean, sure, no problem. You're not shy, are you, Fox? My sensors indicate Fox's temperature is rising. Are you okay, Fox? I'm gonna be just fine. Hey! Vous avez récolté le baiser de la bonasse Fury? C'est un bon travail de guerrier, ça. Soldats, au rapport. Water? Note. Sauron, Sauron City. Sauron, Sauron City. Sauron City. Sauron City. Grâce à votre persévérance, Dwight, les femmes est désormais sauvée. Eh oui, je sais, et il ne nous restera plus que le jeu de Walter à faire, et enfin vous serez en paix. Bon, une petite précision, ça franchement j'en ai rien à carrer. Permettez. C'est moi ou il a un petit peu moins de toc? Vous vous trompez. Ah ouais, bien ce qu'il me semblait. Oh, je suis reparti au mur. Ouh, j'ai rien bité. Il a demandé pourquoi le bruit se raccroche au four, hein? Se rapproche toujours, peut-être? Ça, j'en sais rien. C'est quoi votre jeu à vous, Walter? Demon's Crest sur Super Nintendo. Ah. Faut que j'aille chier. Merci, Walter. Celui-ci, Walter, je suis pas certain d'être à la hauteur. Oui, vous avez intérêt à me sauver. Je suis sur Calostrum, ma mère, vous. Walter, ah. Il
trouvaise du PQ? J'arrive!